Alors bonjour à toutes et à tous, à ceux qui sont présents avec nous aujourd'hui pour cette journée autour du parrainage, donc organisée par Le Pain Quotidien et en direct pour une bonne partie de cet après-midi sur TV de Vie. Merci pour votre présence, merci d'avoir répondu présent donc à ce rendez-vous qu'on vous avait donné pour pouvoir ensemble parler du parrainage. Le parrainage qui est le cœur d'activité du Pain Quotidien. Je vais faire un petit historique. Ah. Il y a certaines de nos activités qui commencent en avance. Et ce sera pour plus tard, ça. Je vais revenir rapidement sur ce qu'est le Pain Quotidien, pour que tout le monde le sache bien, parce que parmi vous, présents aujourd'hui, il y a certains qui sont parrains ou donateurs depuis moins longtemps que d'autres. Et donc, le Pain Quotidien est une association caritative chrétienne qui existe depuis 2002 et qui donc travaille dans le domaine de l'enfance. Nous avons eu différentes activités. À un moment, nous avons mis en place des épiceries solidaires, par exemple. Nous avons fait des maraudes hivernales en mettant en place tout un pôle pour pouvoir sortir et rencontrer les personnes sans-abri, par exemple, travailler avec les personnes qui sont victimes d'isolement. Et puis, il y a quelques années, nous nous sommes recentrés, en tout cas, le Pain Quotidien en tant que tel s'est recentré sur son activité d'origine, qui est l'enfance. Et ça se concrétise par le parrainage d'enfants et le soutien à des projets dans des structures qui prennent soin d'enfants. Aujourd'hui, donc, nous avons voulu vous réunir pour vous faire un bilan de ce qui s'est passé durant l'année 2017 et aussi vous dire merci. Merci parce que ce travail est possible, bien sûr, grâce au Seigneur d'abord, parce que le Pain Quotidien, comme je l'ai annoncé, est une association caritative chrétienne et nous y tenons parce que c'est sur une vision chrétienne que s'est basée cette association et c'est sur cette vision qu'elle veut continuer à avancer. Mais c'est aussi grâce à vous toutes et à vous tous qui sont présents aujourd'hui ou qui nous regardez via la télévision parce que vous n'avez pas pu être présents de corps avec nous, que ce travail se fait et qu'il est possible. Et j'aimerais dire à titre personnel que je suis fière. Je suis fière de participer à ce que Dieu fait au travers de cette œuvre parce que vous allez vous en rendre compte durant la présentation. Dieu fait un beau travail, vraiment. C'est beau et je voudrais juste, moi, personnellement, j'ai décidé de glorifier Jésus aujourd'hui pour ça. Parce que c'est un grand Dieu et qu'au travers donc de tout ce que nous faisons au Pain Quotidien au quotidien et aussi au travers de ce que vous allez voir, bien nous-mêmes nous nous rendons compte en fait de la grâce que Dieu nous fait de participer à ce que lui met en œuvre pour bâtir ensemble la vie des enfants. Je vais vous donner rapidement le programme qui va suivre. Donc aujourd'hui, avant d'entrer dans le vif du sujet de la présentation, nous allons avoir donc une présentation concernant les activités qui ont eu lieu au sein du Pain Quotidien en 2017. Nous allons aussi bien avoir un temps de questions-réponses à la fin. Et ensuite, nous allons bien pouvoir faire un Skype. Donc ce sera Skype ou WhatsApp. On va voir aussi peut-être selon les structures, mais en tout cas, on va pouvoir entrer en contact directement avec les structures avec lesquelles nous travaillons, donc dans les différents pays que vous pouvez voir ici par le travail qui a été fait par l'équipe, où vous avez les photos des enfants, donc avec les pays dessinés. Et donc voilà, donc plusieurs pays qui sont affichés ici vont pouvoir être contactés et vous allez pouvoir voir en direct pour certains vos filleuls et donc voilà. Et ensuite, bien, il y aura tout un programme qui sera organisé uniquement pour les parrains. Et là, bien, le direct prendra fin. Mais donc voilà. Pour aller plus loin et avant de rentrer directement dans le cœur du sujet, j'aimerais juste revenir sur la vision en fait qu'adopte le Pain Quotidien et son slogan en l'occurrence, qui est bâtir ensemble la vie des enfants. Alors, pourquoi bâtir ensemble ? En fait, on se rend compte, et on a eu à partager ça il y a quelques semaines dans une émission au Pain Quotidien, que l'œuvre de Dieu ne se fait pas seule. Dieu donne une vision à quelqu'un
Et il donne en fait à cette personne de pouvoir avoir d'autres membres du corps de Christ pour bâtir une œuvre. Et nous voulons en fait, par cet événement, vous permettre aussi de comprendre que vous êtes réellement, vous faites réellement partie du pain quotidien. Vous êtes réellement avec nous tous ensemble. C'est nous qui formons en fait ce mécanisme qui se met en place pour pouvoir bien bâtir la vie d'enfant. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais le logo du pain quotidien a changé durant l'année 2017. Avant, c'était des mains avec du pain à l'intérieur, donc qui parlaient du pain quotidien. Mais aujourd'hui, nous avons un logo, donc qui est celui-là que vous pouvez voir en bas, à gauche de l'écran, et où on voit un plant, en fait, une plante, un jeune plant qui pousse. Et pour nous, bien bâtir la vie des enfants ensemble, c'est inspiré aussi quelque part du passage que Paul nous donne dans Corinthiens, dans 1 Corinthiens 3, 6, où il explique en fait que lui, Paul, il a semé, il a planté. Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a permis l'accroissement de ce qu'il a fait comme travail, de ce qu'ils auront fait comme travail. Et quelque part, on peut comparer les enfants que nous soutenons à ces jeunes plantes. Il faut réaliser qu'au pain quotidien, nous soutenons des enfants qui ont eu des difficultés dès leur plus jeune âge, qui n'ont pas rencontré forcément les mêmes problèmes que nous pouvons rencontrer là où nous sommes nés, ou en tout cas là où nous évoluons aujourd'hui, c'est-à-dire dans un pays occidentalisé, industrialisé, où nous avons des aides et le soutien dont nous avons besoin en général. Et ces enfants donc, ont commencé avec un handicap sévère dans la vie, qui est parfois la perte d'un être cher, leur père, leur mère. Parfois aussi, ils n'ont pas perdu leurs parents, mais ils sont juste nés dans un endroit où ils n'ont pas les moyens, en fait, d'aller à l'école. Ils n'ont pas les moyens d'être nourris tous les jours correctement. Ils n'ont pas les moyens d'être vêtus correctement. Donc, tout cela fait que, bien, ces jeunes plants, parfois, eh bien, ont besoin d'un soutien. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait ou vu, mais les personnes qui plantent des graines et qui veulent faire pousser des arbres, souvent, au départ, en tout cas, de leur croissance, ils mettent un soutien, un tuteur, merci, je ne connaissais pas du tout le nom. Donc, ils mettent un tuteur à côté qui permet, en fait, de soutenir la jeune plante pour qu'elle pousse de façon droite. Et quelque part, au pain quotidien, avec le travail que l'on fait, c'est ça. C'est de permettre, en fait, on est un peu ce tuteur avec les structures qui s'occupent des enfants au quotidien, avec vous qui participez financièrement et aussi de façon affective à la vie de ces enfants. Bien, nous sommes ce tuteur qui permet à la plante de pousser et de croître correctement. Donc voilà. Alors, pour entrer dans le vif du sujet en ce qui concerne notre présentation aujourd'hui, on va vous parler de la présence du pain quotidien dans le monde. Donc on va évoquer tous les pays qui sont ici, plus ou moins en détail, vous allez le voir. Et nous allons aussi parler de nos activités en France, donc de ce qui a pu être fait en 2017. Nous irons ensuite sur le bilan financier et nous terminons notre présentation par un temps de questions-réponses où vous aurez l'occasion bien, de poser les questions que vous voulez et on tâchera d'y répondre au mieux. Donc voilà, et donc pour commencer... Pour commencer, eh bien, nous parlerons tout d'abord de l'Amérique latine avec Lucie. Puis avec Cynthia, nous évoquerons les pays que nous soutenons en Afrique, dont 7 structures aujourd'hui. Et en Asie, donc, nous travaillons avec 3 structures partenaires. Donc voilà, Lucie, je te passe la parole. Bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle Lucie. Cela fait un peu moins d'un an que je suis au sein du pain quotidien et je suis particulièrement la correspondante avec la structure du Ghana. Donc, si je me tiens devant vous, c'est pour vous parler des partenariats que nous avons avec des pays d'Amérique latine, à savoir 3, Haïti, le Mexique et la Colombie. On va particulièrement faire un zoom sur l'Haïti, premièrement, et ensuite sur la Colombie. Donc, commençons par Haïti. Haïti, c'est une école qui s'appelle l'école des Mix des Frères Toussaint. Donc, comme son nom l'indique, c'est une école qui compte 300 enfants, dont 37 enfants parrainés. Notre partenariat avec cette structure a commencé en 2011. Et en Haïti, le pain quotidien
soutient cette structure par rapport aux frais scolaires, aux frais scolarité. Et en particulier en 2017, le Pain Quotidien a aidé la structure à renouveler tous ses livres scolaires et l'achat des uniformes. Une fois par semaine, tous les samedis, ils organisent un partage de la parole avec les enfants qui se finit par un goûter. Et 2 à 3 fois par mois, ils organisent une cantine où les enfants peuvent venir manger, se restaurer. Parfois, il arrive qu'ils ne puissent pas le faire, ils distribuent quand même des denrées alimentaires pour que les enfants puissent quand même avoir à manger. Le projet avec cette structure, ce serait de créer un site internet afin qu'ils aient une meilleure communication, une meilleure visibilité, sachant que c'est une structure qui a beaucoup de projets, en fait, et donc ils auraient besoin de certains financements et ça leur donnerait une meilleure visibilité. Voilà pour Haïti. On va passer au Mexique. Le Mexique, cette structure s'appelle Casa Hogar Niños en Victoria. Notre partenariat a commencé il y a 2 ans avec cette structure. C'est un centre d'accueil, en fait, un centre d'accueil où sont placés des enfants par l'État qui sont victimes de violences de la part de leurs parents. Ces enfants sont la plupart adolescents et c'est ce qui explique le fait qu'il y ait seulement 4 enfants parrainés dans cette structure. Donc, il y a un projet parrainage avec les 4 enfants, et il y a un parrainage projet qui permet de soutenir ces enfants dans leur réinsertion, dans leurs études, pour qu'ils ne soient pas en marge de la société. Le Mexique, prochainement, il va y avoir 8 enfants qui vont être parrainés. C'est globalement le projet qui est en Mexique. Et nous allons passer à la Colombie. Cette structure s'appelle ASECOL. Elle est située à Bogota, la capitale. Donc ASECOL, pour la petite histoire, le A veut dire association, le SE veut dire semillas en espagnol, qui veut dire semence, et le col de Colombie. Donc en fait, ce nom veut dire association de la semence colombienne. Donc là, on voit les enfants. Notre partenariat a commencé en septembre 2017 avec cette structure, donc c'est assez récent. Il y a un partenariat projet, où il y a 8 enfants qui sont parrainés. Et un parrainage projet qui a permis la création de classes de remise à niveau en espagnol. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des populations indigènes qui sont déplacées de leur lieu de vie à cause de la déforestation. Donc, ils arrivent à Bogota, dans la capitale. Ils ne parlent pas espagnol. Ils arrivent dans une capitale où ils connaissent pas la manière de vivre, la langue. Donc, ils sont mis à l'écart. Et ce projet a permis la mise en place de classes pour leur apprendre l'espagnol. Donc actuellement, 30 enfants en bénéficient et 16 adultes. Depuis le début de ces cours, les enfants ont fait d'énormes progrès, à tel point qu'on va pouvoir le projet, ce serait de les inscrire à la prochaine rentrée de janvier 2019, parce que la rentrée se fait en janvier là-bas. Et avec les adultes, le projet, ce serait de pouvoir favoriser la formation, les inscrire à des formations et qu'ils aient un travail pour pouvoir subvenir à leurs besoins et pouvoir avoir une qualité de vie convenable. Voilà pour l'Amérique latine. Nous allons passer à l'Afrique. Je donne la parole à ma sœur Cynthia. Bonjour à tous, je suis Cynthia et je travaille au Pain Quotidien depuis près d'un an. Je m'occupe particulièrement de la structure de Madagascar. Donc, le Pain Quotidien intervient particulièrement en Afrique. On a vu qu'il y avait 7 structures. Et donc, toutes ces structures, donc je vais les présenter, certaines succinctement, et sur 3 pays, je vais particulièrement faire un zoom dessus. On va commencer par nos débuts. Donc, comme l'a précisé Aurélie, le Pain Quotidien a commencé ses actions en 2002. Et le premier pays dans lequel nous sommes intervenus est le Congo. Donc au Congo, nous avons construit un orphelinat. Et à ce jour, cet orphelinat a évolué et est devenu une maison d'accueil. Il y a 18 enfants qui sont parrainés et ces enfants bénéficient d'un soutien scolaire, d'un enseignement public, biblique, pardon, et sont soutenus au quotidien dans leur vie. Par la suite, ces orphelins, depuis 2002, ont grandi. Et la plupart d'entre eux ont eu leur bac et ils ont eu l'opportunité de continuer leurs études universitaires en Tunisie.
Donc aujourd'hui, nous avons 5 étudiants. Donc les garçons sont en licence en informatique et les filles en sciences économiques. À l'université de Sousse, donc en Tunisie, on participe, donc on finance les frais de formation et d'hébergement. Donc depuis la rentrée, ça s'élève à plus de 10 500 euros, sans compter l'argent de poche que peuvent demander nos jeunes adultes et également les besoins ponctuels sur place. Donc aujourd'hui, c'est la fin de l'année scolaire. Ils ont tous passé leur examen et on attend leurs résultats, par la grâce de Dieu, qui seront positifs. Et certains d'entre eux, tellement bien intégrés dans le pays, ont commencé à travailler, les fameux jobs étudiants. Donc on leur souhaite un avenir radieux. Ils vont continuer leur troisième année à la rentrée prochaine. Maintenant, nous allons parler de Madagascar, donc la structure dont je m'occupe. Et avant de parler des projets, des structures, j'aimerais simplement faire un zoom sur le contexte économique de Madagascar. À savoir que c'est une des plus grandes îles de la planète, donc le cinquième. Et ce pays bénéficie d'immenses richesses. La première, c'est la diversité de la faune et la flore. La deuxième, c'est les importantes ressources pétrolières et minières. Donc tous ces atouts sont vraiment attrayants pour être au bénéfice de la population et pour avoir une économie prospère. Et malheureusement, comme la plupart des pays en Afrique, il y a une extrême pauvreté. Alors cette extrême pauvreté joue sur nos enfants, ça les déstabilise. En effet, cette génération est vraiment sacrifiée. Par exemple, 80% de la population vivent avec moins de 2 dollars par jour. Alors si 80% de la population vivent avec moins de 2 dollars par jour, quelle est la situation de nos enfants là-bas? Il faut savoir que plus de 50% des enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition. La malnutrition chronique, c'est une sous-insuffisance d'alimentation. Donc avec toutes les faiblesses, toutes les béquilles que ça peut apporter, que ce soit physiologique, au niveau de la croissance. Et forcément, ces enfants ne sont pas aptes à faire des études et la plupart d'entre eux ne terminent même pas le cycle primaire. La seconde chose qui est importante à préciser, c'est qu'à Madagascar, là où se trouve cette île, elle est exposée à des phénomènes météorologiques. Alors, il faut compter à peu près 3 phénomènes par an, que ce soit inondations, sécheresses, les cyclones, et également les invasions de criquets. Donc tout ça apporté ne favorise pas vraiment l'économie sur place. Donc c'est dans ce contexte-là que nos frères et sœurs se sont levés en voyant des enfants dans leur quartier, dans la capitale. Et donc ils ont vu qu'il y avait énormément d'enfants qui étaient à la rue. Donc ils se sont levés et avec notre aide, ils ont créé la maison d'accueil qui s'appelle la Maison de la Grâce. Aujourd'hui, il y a 37 enfants parrainés. 37 enfants parrainés. Et ces enfants bénéficient d'un soutien scolaire. La plupart d'entre eux sont inscrits dans des écoles privées. Donc ces écoles privées sont forcément payantes, mais il y a une meilleure instruction. Ces enfants bénéficient d'un enseignement biblique toutes les semaines et mangent aussi à leur faim, le midi, après la classe et au goûter. Bien sûr, après des événements, par la suite, sont organisés comme des sorties et qu'ils apprécient énormément. Alors, au niveau de nos projets, à Madagascar, nous avons 2 projets. Donc, on est au début, aux prémices. Donc, le premier, c'est la vente de sorbet et de jus. Donc, c'est-à-dire que les frères et sœurs sur place, ainsi que quelques parents, produisent du sorbet, du jus à base de fruits et légumes locaux. Voilà. Donc, on les voit faire ça de façon vraiment artisanale. Et ces produits sont vendus sur les marchés, à la sortie des écoles. Et nous avons eu un bénéfice de 80 à 90 euros mensuels. Donc, c'est vraiment pas mal du tout. En tout cas, nous sommes fiers d'eux. Et le Pain Quotidien a soutenu ce projet en achetant un congélateur. Parce qu'ils avaient seulement un réfrigérateur, enfin on a acheté un congélateur, voilà, et cela leur permet de gérer au mieux leur stock, tout simplement. Voilà, les sorbets et les jus.
Alors le second projet que nous avons mis en place, c'est l'élevage d'un poulailler. Alors l'élevage de poulailler se trouve vraiment sur le terrain du centre. Et on a commencé en novembre avec quelques poules. C'était en novembre. Donc au mois de juin, nous avons à peu près plus d'une soixantaine de poules, de poussins. Donc ça s'est vraiment multiplié. C'est du poulet bio, hein. Et donc ce projet est vraiment chéri par les enfants, parce que ces poules, c'est vraiment une source d'amusement. Ils s'en occupent, ils courent derrière. Vraiment, ça égaie en fait cette maison d'accueil. Donc à ce jour, on est au mois de juin, je vous ai parlé des soixantaines de poules et de coqs. Et malheureusement, comme toute œuvre qui est combattue, nous nous sommes fait voler les poules et les coqs qui allaient être vendus. Donc ça a généré une immense tristesse auprès de nos frères et sœurs, mais également des enfants. Mais on ne se décourage pas au pain quotidien. Et non pas à Madagascar. Et donc, nous allons tout faire justement pour continuer ce projet, voilà, pour le mener à bien. Il faut savoir que quand je parle d'investissement d'enfants, un de nos enfants, un des plus grands, qui s'appelle Mamie Tiana, a construit le poulailler. Si vous l'avez vu au début, il parlait de ses études, de sa formation professionnelle en tant que menuisier. Eh ben, il a participé à la construction de ce poulailler. Si il n'y a pas de film. En tout cas, on peut voir en arrière-plan le travail qu'il a pu effectuer justement pour cette œuvre. Donc même les enfants sont participants de cette œuvre. Et voilà, nous les bénissons pour tout ce qu'ils font. Alors, je vous ai présenté le Congo, la Tunisie et Madagascar. Il y a d'autres structures et je vais passer la main à mon frère Gratien. Donc, bonjour tout le monde. Je me présente, je m'appelle Gratien. Ça fait un peu plus d'un an que je suis au sein du pain quotidien. Et pour ma part, je m'occupe de tout ce qui concerne les adhésions des parrains, projets ou parrains pour les enfants. Voilà. Donc, je vais poursuivre avec les partenariats qu'on a concernant les structures en Afrique. Donc, le Ghana, tout cher pays, le Ghana. Alors, on est en partenariat avec une œuvre qui s'appelle Mozzarella Love Foundation, dont je vais vous expliquer un petit peu l'histoire, vous rappeler pour certains. En fait, Mozzarella Love Foundation résulte de l'initiative d'un couple, John, Monsieur et Madame Azuma, qui, à la suite de la maladie du couple atteint du VIH, a été proche de la mort, et ayant échappé en fait à ce cataclysme, ils ont pu survivre et ils ont mis en place une organisation tout simplement pour recueillir quelques enfants au départ atteints du VIH. Le voisinage le sachant, tous se sont organisés pour certains déposer l'enfant devant la maison, d'autres leur ont recommandé leur enfant, mais face à toute cette responsabilité-là qu'ils avaient, ils ont dû mettre en place une association. Donc voilà l'œuvre qui a émergé. À l'heure actuelle, ils ont une vingtaine d'enfants, 27 précisément, 27 d'enfants parrainés, plutôt par le pain quotidien, et un peu plus, sachant que le voisinage aussi très intéressé pour y avoir été, je témoigne, se environne un petit peu les lieux et passe du temps avec les enfants. Et pour toujours pour rester dans le même contexte, ça, à un moment donné, ça a posé problème au niveau du voisinage, étant donné que tous sont atteints du VIH, ils ont été victimes, les enfants, de stigmatisation. Donc, la population environnante se réunissant de plus en plus, aménageant dans les lieux de plus en plus, il était nécessaire disons, pas d'isoler les enfants, mais de leur apporter un cadre plus sain, plus serein. Et ce n'est pas la seule raison pour laquelle on a mis en place une collecte dernièrement sur les réseaux ou sur l'ITI. Il y a un autre facteur. Et ce facteur-là, c'est par rapport au fait que... oui, ils avaient à l'heure actuelle un F2. À l'origine, ils avaient un F2, donc deux pièces pour une vingtaine d'enfants, sachant que certains ont atteint l'âge de la puberté. Il y a le problème d'intimité qui se pose, pas mal d'autres facteurs. Et donc, c'est à travers cela, à travers tous ces facteurs-là, tous ces problèmes-là, que nous avons eu à cœur de les soutenir et de louer pour une durée de 2 ans un F5, une plus grande maison, notamment à travers vos dons. Donc on tient à vous remercier
les parrains, notamment les donateurs et les parrains projets, parce que sans vos dons, on n'aurait pas pu en fait aboutir et concrétiser ce projet. Donc déjà, premièrement, merci. On va vous remercier à plusieurs reprises. Hein, et merci. Merci beaucoup. Merci pour ces enfants. Voilà concernant le contexte du Ghana. Donc, par la grâce de Dieu, on a pu mettre en place ce projet-là. Et c'est un peu le gros projet du moment concernant le Ghana. Et nous passons maintenant à la Côte d'Ivoire. La chère Côte d'Ivoire. Voilà, alors, concernant l'œuvre qu'on soutient en Côte d'Ivoire, il s'agit précisément d'une œuvre qui se situe dans un village à Vitré, pas très loin d'Abidjan, pour ceux qui connaissent. Et elle s'appelle Cœur Réformé. Donc on a commencé un partenariat avec eux depuis maintenant presque 2 ans. Et elle soutient 27 enfants. Et à travers eux, on soutient 27 enfants. Et pareil aussi, beaucoup plus d'enfants dans le village, ça semble autour. Et beaucoup plus d'enfants aussi sont en charge. Voilà. Et l'un des projets dernièrement que nous avons mis en place avec eux, c'était la mise en place d'un poulailler. Mais concernant la mise en place du poulailler, il y a, j'aimerais vous expliquer un petit contexte aussi politique et économique. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire a choisi de taxer toutes les importations de la vente du poulet. Ce qui a permis en fait de faire croître fortement l'économie locale en permettant à ce que la vente du poulet, l'élevage puisse fortement se développer. Et c'est aussi pour cela en fait qu'on les a encouragés à mettre en place ce poulailler. Donc à l'heure actuelle, ils élèvent 500 poulaillers et qu'ils le revendent juste derrière au marché. Voilà concernant les projets, les différents projets de la Côte d'Ivoire. Et nous tenons à nouveau à remercier les parrains, particulièrement les parrains projets et les donateurs, car sans vous, ce projet n'aura pas eu lieu. Voilà. Concernant les enfants, donc tout se porte bien. On en a environ 27, comme je vous le disais. Et voilà, le but de cette œuvre-là, c'est d'apporter en fait aux enfants un cadre sain, un environnement sain, les encourager à l'alphabétisation, sachant que c'est un village, beaucoup sont délaissés en fait, parce que ce sont particulièrement des enfants défavorisés sur les lieux. Qu'il y a, et aussi il y a aussi un autre aspect qui est important de souligner, c'est-à-dire que la plupart des enfants n'ont pas d'état civil. Donc à l'heure actuelle, nous sommes en train de créer des actes de naissance et qui permettraient en fait de régulariser leur situation au niveau de l'administration. Voilà pour la Côte d'Ivoire. Je vais vous parler maintenant d'une œuvre dont nous sommes nouvellement en partenariat avec eux. Il s'agit de l'Ouganda, et précisément une œuvre qui se situe du côté de Kampala, dans la capitale. Elle s'appelle Pillar of Africa, les piliers d'Afrique. Donc c'est une œuvre très, très belle, très chaleureuse, qui soutient à l'heure actuelle 45 enfants, plus 10 adultes, dont une veuve. Et le partenariat est en train de prendre forme de plus en plus, et nous visons à la fin de l'année de parrainer certains des enfants qui sont de ces structures-là. Donc pareil, c'est un orphelinat qui recueille les enfants des rues, précisément. Et c'est l'un des projets qu'on a avec eux, c'est de développer de plus en plus le parrainage des enfants. Voilà concernant l'Ouganda. Donc, concernant les structures d'Afrique, on a fait un peu le tour. Nous allons passer maintenant en Asie. Nous sommes en partenariat avec 3 structures. 3 structures, donc la Chine, Promise Land. Donc nous avons établi un partenariat avec eux depuis 2017. À l'heure actuelle, on parraine 8 enfants, mais ils sont à peu près une douzaine dans la structure. C'est une école chrétienne avec un internat qui prend en charge les enfants porteurs de handicap, moteur et ou physique. Voilà. Nous leur envoyons une certaine somme par mois. Et nous tenons aussi, pour les parrains qui parrainent un enfant en Chine, vous informer que notre partenariat avec cette structure prendra fin
en septembre 2018. Voilà, étant donné qu'ils ont d'autres projets et le fait de s'associer avec des organisations extérieures leur est pas profitable. Voilà, concernant la Chine. Ensuite, voilà deux nouvelles structures qui émergent avec lesquelles on a établi un partenariat et on va bientôt ouvrir un parrainage sur les enfants. Donc, il s'agit des Philippines. Les Philippines, surtout du côté de Manille, la capitale des Philippines. Alors, voilà, merci. Donc, la première structure est l'orphelinat Concordia Children's Service. Donc, c'est une agence de l'État qui a une certaine ancienneté, qui date de 1983, pour vous situer, qui vient en aide aux enfants des rues. Et pour vous situer le contexte des Philippines, les Philippines est un archipel d'îles qui est marqué par la pauvreté, par une très grande pauvreté. Donc les besoins sont énormes là-bas. Et c'est aussi l'une des raisons pour laquelle plusieurs structures ont émergé, notamment en aide aux enfants, dont celle-ci. Voilà, donc ils viennent en aide à plus de 45 ans, plus de 45 enfants, oui. Et c'est un peu ça pour Concordia Children's Service. La deuxième œuvre, il s'agit de Kalayan Ministries. Et nous avons eu un frère qui est présent, qui est parti sur les lieux, qui a eu l'occasion d'aller directement sur les lieux et qui nous a fait un rapport nous disant la situation extrême dans laquelle vivaient ces communautés, dont les enfants. Parce que Kalayan, c'est une œuvre qui se situe au niveau de Tondo. C'est l'une des plus grandes décharges de Manille. Et des populations y vivent. Voilà, des populations y vivent dans ces décharges-là. Donc, dernièrement, par exemple, ils ont eu un souci au niveau de l'invasion des rats, parce que leurs locaux aussi sont dans la décharge. Donc, une personne a pu venir et les aider au niveau de la restauration du plancher, qui était infesté. Voilà un peu, et juste pour préciser aussi, concernant cette œuvre-là, il y a un témoignage qui m'a beaucoup bouleversé, dernièrement lorsque j'étais sur leur réseau, parce que malgré les difficultés qu'ils vivent, il y a par exemple un jeune, un frère, qui a vécu dans ces lieux, qui a bénéficié de leur aide, de leur soutien, et qui à l'heure actuelle a eu son diplôme dans l'éducation, dans l'enseignement. S'est battu dans ses études avec le peu de moyens qu'il avait et il s'est orienté du côté de la petite enfance. Donc on bénit véritablement le Seigneur pour cela. J'ai encore un autre témoignage d'une jeune femme aussi qui, pareil, s'est battue, qui venait plutôt de Concordia Children, et s'est battue et a pu fonder une famille et a pu obtenir aussi une situation stable. Le principe, surtout de Kalayan Ministries, le principe est le suivant, c'est que les enfants ne sont pas définis en fonction du lieu dans lequel ils vivent. C'est leur principe. Mais plutôt de ce qu'ils peuvent devenir et de ce qu'ils sont en vérité. Voilà. Donc les enfants sont encouragés à ne pas se focaliser sur le contexte dans lequel ils vivent, mais à passer outre et à se battre. Voilà un petit résumé des nouvelles structures avec lesquelles on établit un nouveau partenariat. C'est une œuvre très belle, très très belle, et nous sommes très heureux d'être en partenariat avec eux. Voilà un peu pour l'œuvre, et je profite de cette très belle image de nos enfants philippins pour vous dire un grand merci à vous qui soutenez cette œuvre, qui parrainez ces différentes structures, parce que sans vous, donateurs, parrains, enfants, parrains projet, cela n'aurait pas été possible. Donc voilà, encore merci à vous. Je vais laisser la parole à Elmod qui va nous parler des activités en France. Merci. Bah, bonjour, moi du coup je m'appelle Elmod. Je suis au Pain Quotidien depuis 2 ans et demi, peut-être 3 ans. Et moi en fait ce que je fais au Pain Quotidien, je suis au pôle comptabilité. J'envoie l'argent aux différentes structures tous les mois. Et je fais aussi partie d'un nouveau pôle en fait, qu'on a mis en place l'année dernière, le pôle activité.
en France. Parce qu'en fait, comme vous voyez, en fait, le pain quotidien, comme on a vu, il intervient en Asie, en Amérique latine, en Afrique. Et c'est vrai que l'année dernière, on s'est posé la question, mais qu'est-ce qu'on fait chez nous, en fait ? Qu'est-ce qu'on fait en France ? On voulait mettre en place des activités en France. On avait vraiment en fait à cœur de vouloir mettre en une colonie chrétienne, première colonie chrétienne. On s'est dit c'est vrai que voilà, on travaille avec les enfants des autres pays, mais il y a aussi des enfants ici et les enfants des frères et sœurs qui grandissent et que aussi ils veulent s'épanouir en fait et se retrouver se retrouver et passer des moments entre chrétiens pour partager des moments ensemble. Du coup, ce projet de colonie de vacances, malheureusement, en fait, on n'a pas pu aboutir, en fait, parce qu'il n'y avait pas assez d'enfants qui étaient inscrits. On s'est dit, pour mieux connaître les enfants, on met en place des activités. Donc, du coup, c'était au mois de septembre, en septembre 2017, pour commencer, en fait, l'année scolaire. On a voulu mettre en place, à Ivry, on a fait, en fait, un big goûter avec Jésus, avec tous les enfants. Donc on a passé vraiment un moment où ils ont pu partager la parole sur on avait procédé, c'était par classe d'âge. Donc on parlait de l'obéissance. Ça c'était pour les plus petits qui parlaient de l'obéissance, les plus grands ils ont parlé de leurs différents ce qu'ils pouvaient traverser au collège, au lycée, comment ne pas se mélanger, et on a fini avec un goûter où on a prié pour eux, vraiment pour les encourager pour leur année 2017. Donc j'ai pas eu de nouvelles, mais j'ose espérer qu'ils sont tous passés en classe supérieure, voilà, parce qu'ils sont partis avec le feu de Jésus, en fait. On a vraiment prié pour eux à la fin et c'était vraiment un moment magnifique, et les enfants, en fait, même à la fin, ils étaient vraiment ravis, ils revenaient nous voir pour dire, mais est-ce qu'on peut continuer, est-ce que... Et au final, on s'est dit, pourquoi pas, en fait, il y a aussi cette demande, il faut répondre aussi aux demandes. C'est vrai qu'il y a les demandes en Côte d'Ivoire, en Chine, au Gabon, mais il y a aussi ces demandes en France, et c'est bien aussi qu'on puisse aussi répondre à ces demandes de nos enfants, en fait, en France. Donc, du coup, ça s'est poursuivi. En décembre 2017, on a organisé, c'était plutôt une grande sculpture du 94 qui organisait une patinoire pour les fêtes de fin d'année. Et on a fait appel au grenier solidaire, parce qu'on travaille aussi, on est aussi amené à travailler avec nos frères et sœurs des différentes structures, des différents, voilà. Du coup, le grenier solidaire, lui, tous les samedis, avec les collégiens, ils organisent un soutien scolaire avec les collégiens. Donc, on a demandé à leurs parents s'ils voulaient bien qu'on puisse les emmener à la patinoire. Donc on est parti à la patinoire avec les enfants du grenier solidaire, les enfants des frères et sœurs qui ont répondu présents. Et on a passé vraiment un bon moment à la patinoire avec tous ces enfants. Donc voilà pour les activités en France. Et on espère que en 2019, on pourra effectuer un camp de vacances. Hein. C'est toujours notre projet. Donc du coup là, je vais vous parler des objectifs, en fait, des objectifs du pain quotidien. Du coup, les objectifs du pain quotidien, on les a scindés en deux parties. Donc les objectifs pour les activités en France et pour nos pays à l'étranger. Donc en France, vraiment, comme je vous ai dit, c'est vraiment pouvoir mettre l'année prochaine un camp de vacances où les enfants, en fait, pourront passer un moment, en fait, entre eux, vraiment passer du temps dans les veillées de prière, dans des chasses au trésor, et plein d'autres choses avec les enfants. Et le but aussi de ces activités, c'est vraiment favoriser, en fait, la rencontre entre les enfants et entre les enfants chrétiens. Maintenant, nos objectifs avec les structures avec lesquelles le pain quotidien travaille,
Le parrainage qui est vraiment, enfin qui prend régulièrement des nouvelles des enfants avec les structures. En fait, on s'est dit pour 2018-2019, on veut vraiment, en fait, les enfants, ils grandissent et ils ont des questions. Tout à l'heure, le frère Chancel, il nous parlait, enfin voilà, par rapport à l'intimité, tout ça. Et en fait, on veut vraiment que dans les structures, on veut que les enfants, en fait, puissent avoir leur temps de parole. Leur temps de parole pour voir en fait ce qui les tracasse et vraiment au travers de la parole pouvoir répondre à ces différentes questions. Donc vraiment accentuer en fait des moments de partage où les enfants vraiment sont au cœur et mettent en place, enfin on puisse répondre à leurs questionnements. Donc ça c'est un premier point qu'on aimerait bien pouvoir faire dans les différentes structures. Surtout que nous dans nos pays d'Afrique malheureusement, les sujets comme la sexualité, c'est un peu des sujets un peu tabous. Donc on aimerait bien enfin casser ça et pouvoir parler de ça en fait avec nos enfants. Pour un deuxième projet, comme on a pu voir en fait dans les différentes structures, on aimerait bien aussi que le pain quotidien en fait on puisse continuer en fait poursuivre les mini projets, les mini projets des structures qui leur permettront de s'autofinancer, comme on a vu avec les poulaillers. On n'a pas parlé, mais aussi en Colombie. En Colombie, en fait, nos enfants, ils ont cette grâce en fait d'être manuels et ils font des différents travaux, des bijoux. Donc, du coup, vraiment les aider en fait à ce qu'ils puissent s'autofinancer. Donc voilà pour un deuxième point des objectifs 2018 pour le pain quotidien. Et voilà, dans nos structures, ce qu'on aimerait bien aussi, c'est que les enfants en fait ils puissent s'épanouir dans leur pays en fait en faisant des sorties culturelles. C'est vrai que on avait remarqué que les enfants lorsqu'ils sortaient ils allaient souvent à la plage, et là on aimerait bien en fait qu'ils puissent connaître en fait les richesses de leur pays en visitant des choses culturelles en fait dans leur pays. Et donc voilà, nos objectifs c'est vraiment que le pain quotidien puisse aider à financer ces différentes sorties. Donc voilà, j'ai fini je pense avec les objectifs pour le pain quotidien. Je vais vous repasser ma sœur Aurélie. Merci. Alors, avant de passer au bilan financier, on voulait savoir si jusqu'à présent vous avez des questions que vous aimeriez nous poser pour qu'on puisse bien y répondre, tout simplement. Oui. Bonjour à tous. Oui, j'avais une petite question. Je voulais savoir comment s'établissaient du coup les partenariats avec les structures déjà existantes dans les différents pays. Comment ils sont choisis? Voilà, comment ça se passe? Alors, chaque structure est différente et chacun de nos liens établis avec les structures a pu se faire de façon différente. En fait, j'ai envie de dire, il suffit que, en général, c'est plutôt ça. En général, c'est des personnes que l'on connaît, soit que le pain quotidien connaît au travers de parrains, par exemple, ou de donateurs, comme ça a été le cas pour l'Ouganda, qui est un nouveau partenariat. En fait, c'est une marraine, si je me trompe pas, qui s'est rendue en Ouganda, qui a rencontré cette structure, qui a été touchée et qui nous a mis en relation avec elle. Et donc, le partenariat s'est fait. En Côte d'Ivoire, ça a été au travers de l'œuvre que fait TV de vie. On s'est rendu compte des besoins qu'il y avait dans certaines parties de la Côte d'Ivoire, en l'occurrence à Vitré, de la pauvreté qu'il y avait, et on a eu envie, parce que sur place il y avait des frères et sœurs qui voulaient eux aussi mettre en place cela, mais on s'est accordé avec eux pour mettre en place un projet, une structure, pour les aider dans ce qu'ils voulaient faire. Donc voilà, donc ça dépend vraiment. Pareil pour les Philippines, on l'a évoqué, c'est un frère qui dans la vie est militaire et qui a l'occasion de pouvoir visiter différents pays du monde. Bien, il est allé aux Philippines, il est rentré en contact avec certaines structures, en l'occurrence Kalayan,
community, et on a pu, par son biais, bien pouvoir rentrer en contact. Après, faut savoir, enfin, au-delà de ça, il y a d'autres structures qui nous connaissent via Facebook, sur le net et autres, et qui vont rentrer en contact avec nous. Ce qu'il faut savoir, c'est que au pain quotidien, on est comment dirais-je, on est simple comme des colombes, mais prudent comme des serpents. Parce que le domaine du social, Jacques le dit, ça peut être très dangereux. Il faut faire attention, en fait, à la façon dont on va l'exercer et faire preuve de beaucoup de lucidité et de beaucoup de discernement. Pourquoi ? Parce que, bien malheureusement, dans ce domaine, il y a plein de gens qui en profitent pour se mettre de l'argent dans les poches, pour détourner en fait l'argent que vous tous et qui nous regardez aussi, ben allez nous confier. Et ça pour nous, ben c'est une grande responsabilité. Vous allez entendre Nadège tout à l'heure. Nadège, elle tremble comme ça quand on lui donne de l'argent et que si elle sait pas où c'est parti, je sais pas quoi, elle va commencer à trembler. Alors là, Nadège, vous allez l'entendre. Donc voilà, on est Jacques. Hein. Ouais, elle me fait non de la tête, mais si. Donc c'est pour dire que en fait on essaye vraiment de faire attention dans nos choix et on n'hésite pas, on l'a déjà fait, on n'hésite pas à arrêter des partenariats quand on n'a plus confiance parce qu'on n'a pas assez de retour des structures, parce que ben on a le sentiment que on n'a pas assez de visibilité sur ce qui se passe. Donc nous en tant que intermédiaires, on est entre guillemets quelque part aussi gestionnaire de l'argent que le Seigneur nous confie au travers de vos dons. Si on peut pas vous rendre des comptes, c'est qu'on peut pas rendre des comptes au Seigneur, et là ça pose un problème. Donc voilà, c'est comme ça que les choix se font et que ben parfois les partenariats aussi peuvent s'arrêter. Ça arrive. Donc voilà. J'ai répondu ? Oui. Alors c'est vrai que la sœur m'a devancé pour la question parce que c'est vrai que je ne savais pas vraiment comment vous étiez contacté, etc. Et donc je suppose que, comme l'a dit tout à l'heure notre frère Gratien, que vous vous rendez sur place. Est-ce que vous vous donnez des délais pour aller visiter les structures ou est-ce qu'il y a aussi des gens sur place dont vous avez vraiment confiance? Parce que c'est vrai ce que tu disais tout à l'heure, Aurélie, le problème du social, c'est vrai que malheureusement, bon, bah, il y a aussi de l'abus pour tromper les gens. Parce que certaines personnes vont effectivement considérer que c'est plus facile à voler les gens comme ça et puis récupèrent forcément l'argent. Alors donc, ma question serait, est-ce que qu'est-ce que vous avez comme, je sais pas moi, comme stratégie pour, comme tu disais, savoir ce que faisaient de l'argent que vous leur envoyez, toutes ces structures, quoi. Voilà. Alors, la façon dont nous procédons depuis maintenant quelques années, c'est que les différentes sortes de parrainage, en l'occurrence, il y en a deux au pain quotidien, donc le parrainage enfant et le parrainage projet, ne sont pas exactement pareils pour la personne qui parraine, en fait. Et donc, quelque part, la personne qui fait un parrainage enfant, de façon affective en tout cas, puisqu'elle va être en lien avec un seul enfant, il y a comme un engagement qui se met en place. Et nous aussi, quelque part, nous sommes garants de ce que cette liaison, que cette relation entre les deux se fasse bien. Bien, nous sommes garants. Et cet aspect-là fait que, avant de nous engager dans du parrainage enfant, on veut d'abord savoir comment travaille la structure. On veut quelque part tester pendant quelques mois la structure sur la façon dont elle va nous faire ses retours. C'est surtout de cette façon-là que nous nous assurons du sérieux de la structure. Est-ce qu'elle respecte les délais pour nous envoyer ses comptes rendus? Est-ce que les photos des enfants qu'on réclame pour les parrains ou pour certaines activités dont nous avons besoin nous sont envoyées? Est-ce qu'on nous fait les comptes rendus financiers de l'argent qu'on envoie? Est-ce qu'on nous explique correctement à quoi ça a servi? Donc tout ça, on va en tenir compte pour savoir est-ce qu'on va aller plus loin. Et quelque part, pour nous, aller plus loin avec une structure, c'est mettre en place un parrainage enfant. Donc en général, on va commencer par un parrainage projet. Et en fait, le parrainage projet, c'est les personnes ici qui sont parrains projet le savent. Vous ne connaissez pas forcément le nom d'un enfant en particulier, parce qu'en fait, votre argent sert à l'ensemble des enfants dans les structures que le pain quotidien soutient. Pour donner un exemple,
en Haïti, c'est une école de 300 enfants qui bénéficie du partenariat qu'ils ont avec nous, en fait. Parce que certains enfants sont parrainés, mais c'est pas les 300 enfants qui sont parrainés. Et quand une structure entre en partenariat avec le Pain Quotidien, certains enfants vont être parrainés parce qu'ils remplissent certains critères quelque part, et d'autres pas forcément, mais toute la structure via le parrainage projet et par les dons va pouvoir bénéficier d'un soutien, et donc finalement l'ensemble de la structure va pouvoir bénéficier du soutien, et donc l'ensemble des enfants. Donc voilà comment on procède, c'est d'abord par le parrainage projet, et ensuite une fois qu'on est assuré, on va dire, on le fait en collège, hein, on le décide ensemble. Est-ce que on va plus loin ou pas avec cette structure? Est-ce que leur niveau de réponse, de rendu nous satisfait? Bien là, on va décider d'aller plus loin, et dans ce cas, on va mettre en place des parrainages enfants, et des parrains, des personnes qui souhaitent parrainer des enfants et qui sont parfois sur liste d'attente, vont pouvoir parrainer un enfant qui se trouve dans cette structure-là. Donc voilà. Et bien sûr, pardon, j'oubliais, on organise aussi des missions. Donc en 2017, il y en a eu moins qu'en 2016. En 2016, on en a vraiment fait beaucoup. En 2017, on en a fait 4, si je ne me trompe pas. Et donc voilà. Et les missions, en fait, vont dépendre, je dirais, des disponibilités parfois des membres du Pain Quotidien. Ça nous arrive aussi quand on sait qu'une personne va dans, enfin, une personne de confiance, je dirais. Même parfois, ça peut être des membres de nos familles, hein, à qui on fait confiance. Et on va leur demander d'aller sur place dans la structure qu'on soutient. On va leur donner l'adresse, les contacts et tout, pour vérifier et pour parfois nous faire un compte rendu. On va leur donner des objectifs, en fait, pour leur visite, en ayant certaines questions, et on va leur demander de pouvoir nous y apporter des réponses. Donc voilà, et là, ça nous permet aussi de concrétiser la chose, de nous assurer, bien sûr, que c'est réel, quoi. Parce que il y a effectivement beaucoup de fake, entre guillemets, surtout aujourd'hui à l'heure du numérique. Il suffit de prendre une photo d'un enfant qui entre guillemets qui a la peau sur les os, et puis de mettre ça en grand plan, et puis de dire ben voilà, on est telle structure, on veut soutenir les enfants. En fait, des fois, ça n'existe même pas. Donc clairement, à moins que quelqu'un l'ait vu de ses yeux, on commence pas un travail avec une structure comme ça, entre guillemets. Ce que je veux dire, c'est que ça va pas forcément être nous directement qui allons le voir, mais en tout cas la personne qui nous rapporte les faits, les photos, les vidéos et tout ça, ben on c'est une personne à qui on fera confiance pour pouvoir commencer un partenariat. Voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Oui. Ce que je voudrais savoir, est-ce que les parrains ou les marraines ont la possibilité de pouvoir, en fait, dans ces structures-là, par exemple, mettre en place une invitation pour les vacances, pour faire sortir l'enfant de son pays, passer des vacances, ou éventuellement que la personne qui parraine puisse aller voir? Alors, la première possibilité ne s'est jamais présentée à nous, sincèrement. On a pas encore eu cette demande. Je dirais, pour de façon plus sage, il serait plus sage et plus simple que ce soit le parrain qui se déplace pour aller voir l'enfant. Tout simplement parce que les enfants, en fait, sont dans un certain cadre, et à part si, bien sûr, ils sont adultes et qu'ils ont un certain âge, là c'est différent, à partir de leurs 18 ans, pourquoi pas ? C'est effectivement quelque chose qui est possible, mais tant qu'ils restent des enfants, ils sont d'abord à la charge, enfin, sous la responsabilité premièrement de leurs parents ou du parent qui leur reste, ou de l'adulte, parce que parfois ils n'ont plus leurs parents, mais que ça va être l'oncle ou la tante qui est responsable d'eux. Et ensuite, il y a la structure aussi. Et d'autre part, faut aussi tenir compte du regard des autres enfants. Qui peut-être n'ont pas de parrain et qui vont voir leurs camarades partir, prendre l'avion, aller en France, tout ça. C'est pas le plus sage pour l'enfant, pour son environnement, pour le cadre dans lequel il est. Par contre, le fait d'aller sur place, ça, c'est tout à fait possible. On a même une marraine qui est là, qui se cache derrière, mais qui s'est déjà rendue au Congo pour rendre visite à son filleul, et qui se trouve là, d'ailleurs, aujourd'hui. Il se trouve en Tunisie. C'est Victor. Oui, c'est Victor. Je reconnais Victor, moi.
Donc il s'est rendu au Congo quand Victor était encore à l'orphelinat les enfants prodiges et qui aujourd'hui voit son filleul faire des études supérieures en Tunisie à l'université de Sousse. Et elle était partie le voir. Elle lui avait rendu visite. Donc ça, c'est tout à fait possible. Il n'y a aucun problème pour ça. Faut juste nous prévenir pour que les choses s'organisent avec la structure sur place. Mais oui, il n'y a absolument aucun problème. Au contraire, je pense que les enfants n'en seront que joyeux. Et voilà. Est-ce que... Oui, il y a là-bas une question. Je voudrais savoir... Bonjour à tous déjà. Je voudrais savoir, comme le frère a dit qu'avec la structure de Chine... ça s'arrêtait et qu'adviendraient les parrains et les marins. Si vous avez proposé d'autres enfants ou je sais pas, ou vous arrêtez complètement, je sais pas. Alors, dans le cas où on devait arrêter notre partenariat avec une structure pour une raison diverse, soit parce que de son côté la structure ne veut plus ou ne peut plus ou peu importe, et, ou que soit que nous on prend la décision d'arrêter, les parrains ne sont, en tout cas on n'essaye jamais de les laisser pour compte. Les enfants qui ne seront plus parrainés puisqu'on n'est plus en lien avec la structure, bien seront retirés de notre activité, de notre base de données, on va dire, des enfants. Par contre, les parrains vont pouvoir récupérer un enfant qui est en attente d'être parrainé. D'ailleurs, je vois une marraine qui est juste là et qui peut le confirmer. Est-ce que tu peux nous dire, est-ce qu'on peut avoir le micro? Juste pour avoir un petit rendu de ce qui s'est passé. Bonjour tout le monde. Oui, parce que moi j'avais une filleule, elle était haïtienne et elle est retournée chez son oncle et donc j'ai rien fait et on m'a redonné une autre petite fille qui est au Ghana. Qui se trouve au Ghana, voilà. Actuellement. Donc aujourd'hui, ouais, elle s'appelle Grace. Voilà. Voilà. Donc et j'ai rien fait. Donc quand voilà. C'est comme ça, en fait, nous on est mis au courant par la structure. C'est pour ça aussi que on a un référent par pays, parce que faut bien se rendre compte que c'est pas facile à suivre, hein, parce qu'une structure ça vit. Et vous imaginez bien, comme en Haïti, il y a 300 enfants, ça peut rentrer, sortir, des enfants peuvent déménager, il peut se passer plein de choses. Et faut une personne par structure pour essayer de gérer ce flux-là. Et quand un enfant, comme ça a été le cas ici, part de la structure parce qu'elle va vivre à un autre endroit, par exemple, le parrainage de cet enfant s'arrête puisqu'elle n'est plus en lien avec la structure. Par contre, tout de suite derrière, nous, on a l'info, on transmet l'information à la marraine ou au parrain concerné et on lui propose de parrainer un autre enfant qui a besoin donc de soutien aussi. Donc voilà. Est-ce qu'on a une autre question? Oui. À tous. Moi, je voulais savoir, en grandissant, ils ont beaucoup plus de besoins. Est-ce à quel moment on augmente la participation ou est-ce que c'est les donateurs qui... Des besoins, pardon, par rapport à quoi? Par rapport à la prise en charge pour l'école, pour ceux qui font des études, par exemple, ils ont plus de besoins financiers. D'accord. Alors, en ce qui concerne comment ça se passe au pain quotidien? Quand vous commencez à parrainer un enfant, en général, vous commencez à le parrainer, c'est avant l'adolescence que vous commencez à le parrainer. Mmh. Et ensuite, il va grandir. Et nous, ce qu'on a établi comme charte avec nos structures, c'est que l'on parraine les enfants jusqu'à leur majorité. Jusqu'au moment, en l'occurrence, pour certains, peut-être pas leur majorité, si par exemple ils redoublent une classe ou ce genre de choses, mais jusqu'à la fin de leurs études, en tout cas avant les études supérieures. On a eu une première expérience avec le Congo, donc où certains de nos enfants sont allés en Tunisie. On est en train de réfléchir, on est toujours en réflexion par rapport à ça, pour essayer de savoir est-ce que on continue à soutenir certains de nos enfants qui voudraient faire des études supérieures et dont les études sont payantes. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est faisable? Pour ça, on a besoin de mettre en place d'autres types de partenariats et de mise en place de dons pour pouvoir soutenir ces besoins-là spécifiquement. Mais aujourd'hui, au pain quotidien, à l'heure actuelle, les enfants sont parrainés jusqu'à leur majorité. Je dirais, la Tunisie aujourd'hui, pour nous, c'est de l'expérimentation et c'est une exception, entre guillemets. C'est à titre d'exception
pour l'instant. Mais c'est quelque chose qu'on expérimente et on veut voir où ça nous mène pour savoir comment renouveler, si c'est possible. En tout cas, oui, pour nous, si c'est possible, pourquoi pas. Mais ça ne va pas forcément toujours être le cas. Donc voilà. Donc, par exemple, Nathan, que je parraine, il va avoir 18 ans au mois de novembre. D'accord. Alors, ça se passe comment ? Cet enfant se trouve dans quel pays ? RDC. En RDC. OK. Et il veut faire des études supérieures, c'est ça ? Je ne sais pas. Parce que cette fois, je n'ai pas reçu de courrier du tout de sa part. Donc, c'est pas trop. D'accord. Bien, je pense que ça, c'est un cas particulier, dans ce cas, qu'il faut voir directement avec l'enfant et la structure pour savoir comment l'aider au mieux dans ses besoins. En l'occurrence, au Congo, au-delà des études supérieures, je dirais, dans une université, au Congo, on a pu mettre en place aussi pour des enfants qui passaient leur bac, qui avaient réussi au bac et qui voulaient se diriger vers des formations plus spécifiques, on a pu le mettre en place et les guider vers ça. Maintenant, il faudrait voir directement en fait avec l'enfant et la structure. Donc là, pour le coup, j'ai pas de réponse concrète, en tout cas. Voilà. Une dernière question, puis on va continuer. Oui, elle n'est pas longue. C'est un peu pour vous taquiner, mais comment vous faites au pain quotidien, vous qui êtes tous des bénévoles, pour faire autant de boulot et du bon travail? Alors bon, je sais que derrière, il y a le Seigneur, mais c'est vrai que moi qui étais dans les structures des hommes avant, j'étais pas mal dans l'activisme. Mais là, j'avoue que je suis vraiment abasourdi parce que c'est pour moi une bonne leçon, en tout cas, quand je vous vois tous travailler comme vous travaillez, engagés comme vous êtes engagés, que ce soit au pain quotidien ou ailleurs. Et moi, je vous tire mon chapeau. Hein, j'ai l'impression que je vous arrive pas à la cheville, hein, honnêtement. Hein. En tout cas, que Dieu soit béni, faut réaliser qu'au pain quotidien, on est... Bon, déjà, j'aime bien le dire... Je dis ça à mes collègues du pain quotidien pour les taquiner, mais c'est vrai. J'aime bien leur dire, Aurélie, mon nom de famille, c'est pas pain quotidien. Parce qu'aujourd'hui, les gens, quand ils me voient, comme ils me voient à la télé parler du pain quotidien, tous les jours, ils pensent que sur mon front, il y a écrit pain quotidien et qu'il y a que moi qui y travaille. Non pas que je veux pas qu'on vienne me poser de questions, hein, vous inquiétez pas. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas la seule, en fait. Dans le sens où on est une réelle équipe. Et je pense que ça, c'est un gros point pour nous permettre d'arriver aujourd'hui à faire ce qu'on fait. Ensuite, il y a bien sûr le sérieux que chacun va y mettre, la volonté de faire avancer l'œuvre de Dieu, la volonté de voir des enfants grandir et s'épanouir. Et il y a aussi les qualités et les dons de chacun. Tout à l'heure, je parlais de Nadège qui va vous faire le bilan financier. Je suis incapable de faire la moitié de ce qu'elle fait, quoi. Et c'est son domaine. Et il y a Barbara qui est au secrétariat et elle a une capacité d'organisation des choses et de mise en forme secrétariale et écriture, machin, tout ça que moi, je vais pas forcément avoir. Donc tout ça réuni ensemble, c'est ça qui nous permet en fait de pouvoir fonctionner. Et c'est vraiment par la grâce de Dieu. Et il y a beaucoup aussi, hein, je veux dire, comme je le disais au début, le pain quotidien est une association chrétienne et donc forcément dans notre façon de fonctionner, on se base sur le Seigneur. Et c'est aussi, et je veux le dire parce que c'est une réalité, c'est de lui dont on tire notre force. Sincèrement, notre force pour avancer, pour continuer, pour ne pas se laisser prendre parfois de lassitude ou voilà, mais pour toujours avoir envie de le servir, envie de mettre en place et envie d'être fidèle aussi dans ce qu'il nous confie. Et en fait, vous allez voir, c'est plein de petites tâches en fait au pain quotidien qui mises bout à bout font un gros travail qu'on vous présente là. Mais si chacun n'est pas fidèle dans sa tâche, ça crée des trous et c'est là qu'on commence à courir dans tous les sens parce qu'il faut pallier. Donc voilà. Donc pour répondre à la question, c'est Dieu qui fait, franchement. Et merci en tout cas à tous les membres de l'équipe pour leur investissement au sein du pain quotidien. Donc je vais passer la parole maintenant à Nadège. Bonjour à tous, rebonjour à ceux que j'avais déjà vus. On a tellement cité mon nom que les gens doivent se dire « Ouh là là, qu'est-ce qu'elle va nous dire ?» Mais je vais essayer d'être rapide parce qu'il y a la structure de Madagascar qui nous attend, on doit appeler les enfants. Donc c'est encore plus intéressant que le bilan financier. Mais on va quand même s'y attarder.
Je tenais encore une fois de plus, au nom du pain quotidien, à vraiment vous remercier. C'est vrai qu'on remercie le Seigneur, mais le Seigneur, il vire pas sur les comptes, il passe par des hommes pour faire les virements, pour soutenir. Donc vraiment, merci pour votre soutien, pour votre fidélité, pour vos gentils mots, pour vos prières. On les reçoit tous et franchement, ça nous donne, ce sont vos mots qui nous encouragent parce que parfois, on est vraiment découragés. Comme vous l'avez dit, Monsieur Vatinel, on est bénévole, on a notre vie à côté. Parfois, on est découragé parce qu'on peut rencontrer au pain quotidien ou par la vie en général. Mais on se rend compte derrière qu'il y a des enfants, il y a des vies, il y a des personnes comme vous qui comptez sur nous. Donc, on est obligé de persévérer dans le travail qu'on fait. Donc, encore une fois, merci pour votre soutien. Alors, sur l'année 2017, grâce à vous, on a pu collecter au total 113 000 euros. Comme vous pouvez le voir sur le graphique qu'on a réalisé, on arrive, nos ressources proviennent essentiellement des dons, pas du parrainage, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, on finance nos ressources, vous pouvez adhérer au peintre quotidien en faisant des dons ponctuels ou en vous engageant dans un parrainage enfant, projet ou pas, ou tous les deux. Et donc la majeure partie de nos ressources proviennent des dons, donc 53% qui s'établissent à 60 000 euros environ pour l'année 2017. On a remarqué qu'il y avait une baisse des dons ponctuels, bon, par rapport à 2016, mais c'est, on compte quand même sur le Seigneur pour que ça augmente en 2018. Le parrainage, quant à lui, a augmenté de 19%. Donc on s'est rendu compte que de plus en plus, vous vous engagez avec nous, vous nous faites confiance. Encore merci pour cette confiance, ça se traduit au travers des chiffres. Merci beaucoup. Donc parfois on reçoit des dons, des produits inopinés, donc comme c'était le cas cette année, des remboursements, des régularisations d'organismes divers. Donc encore merci. En ce qui concerne les dépenses, pour l'année 2017 s'établissent à 125 000 euros et on pourrait dire qu'elles se sont stabilisées par rapport à 2016. On était à 124 000 euros environ. Donc l'objectif pour 2017, c'était en fait de réduire nos frais de fonctionnement, c'est-à-dire les frais de fonctionnement qui représentent 20%. On avait idéalement voulu les passer à 18% parce qu'en 2017, on avait 22% de frais de fonctionnement. Donc on a essayé de faire un petit effort de 2% cette année, donc on va faire mieux les années à venir. L'objectif, c'est de passer sous la barre des 10%, histoire de vraiment affecter tout ce qu'on reçoit vers nos missions sociales. Donc les missions sociales, cette année, en 2017, nous ont coûté environ 100 000 euros. Donc sur le parrainage enfant et projet, au total, 78 000 euros. Et sur des actions sociales diverses, on a atteint 20 000 euros. Sur les actions sociales diverses, on a fait un effort en 2017 parce qu'on a essayé de les baisser. L'objectif, on a essayé de se recentrer sur le cœur de métier du pain quotidien, c'est-à-dire le soutien des enfants, le parrainage des enfants. Donc les actions sociales diverses qu'on est amené à mener, que ce soit en France ou à l'étranger, on les a réduites cette année et en 2017. Donc comme vous pouvez le voir, en 2017 aussi, l'objectif, c'était d'aider les structures à devenir autonomes financièrement. Donc on a démarré l'expérimentation en 2017 au travers de quelques projets ponctuels qu'on a réalisés avec l'achat de livres en Haïti, l'élevage de poulets en Côte d'Ivoire qui nous a coûté 2000 euros environ. On a acheté aussi des ordinateurs à nos étudiants en Tunisie. Ils ont pour objectif en fait de trouver des jobs étudiants histoire d'être autonomes aussi financièrement. À Madagascar, on a financé les frais scolaires. C'était principalement ça. On a réduit aussi en 2017 les missions qu'on a réalisées. En 2016, les missions dans les structures s'établissaient à 12 000 euros. On les a baissées à 5 000 euros en 2017. L'objectif, comme Aurélie l'a expliqué, on exploite vraiment les rapports des structures. Et c'est quand on remarque qu'il y a des petits flous, on décide de passer par des frères ou sœurs ou d'aller sur le terrain pour creuser. Donc, on a eu moins de missions en 2017. Et en ce qui concerne les frais de les actions sociales diverses, en fait, le plus important poste, c'était les soutiens qu'on pouvait amener à réaliser auprès de nos associations partenaires. Pas associations partenaires, je veux parler des associations qui sont nées du pain quotidien. C'était les anciennes activités du pain quotidien qui sont devenues des associations autonomes cette année. En 2015, mais on les soutient quand même, on leur apporte quelques soutiens, histoire de les accompagner dans leur mission. C'est la Voix des Sans-Voix, le Grenier solidaire et la Réserve de Sarcelles. Donc en gros, comme autre activité, on a eu à aller à Kassai en 2017, en juin, compte tenu des événements qui s'étaient déroulés à Kassai, la guerre à Kassai. Donc ça nous a coûté environ 6 000 euros. C'était principalement ça. Donc sur le soutien des activités d'hiver en France, c'était les activités qu'on a réalisées avec les enfants dont Elmaud a parlé tout à l'heure. Et aussi à l'étranger, c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais on a
grâce à vos prières, parfois on vous demande aussi d'accentuer sur la prière, parce que les enfants aussi ont besoin de vos prières. En 2017, on a été frappé par deux décès d'enfants, et ça nous a vraiment affectés, c'était la première fois. Donc on a soutenu ça aussi, et c'est vraiment ça, c'est vrai, vous nous apportez un soutien financier, c'est très bien, mais on a aussi essentiellement besoin aussi des prières. Donc merci pour vos prières aussi qui nous accompagnent. En ce qui concerne les frais de fonctionnement, ils nous ont coûté 20 000 euros environ cette année. C'était principalement ce qui nous coûte, ce qui nous revient le plus cher, ce sont nos frais financiers, c'est-à-dire les frais bancaires ou les frais qu'on est amené à payer sur les dons PayPal. PayPal nous prélève des frais. Parfois, les impayés aussi, nous, en cas de rejet de prélèvement, on est amené à payer des frais à la banque. On a quand même on a eu moins d'impayés cette année en 2017, donc on est passé de 900 euros en 2016 à 400 euros sur les impayés. On a aussi un poste qui nous coûte énormément. On est en train de mener des actions auprès des autorités locales, histoire d'avoir d'autres locaux gratuitement. Parce qu'à date, en fait, on paye des charges copropriétaires. On est de copropriété, on est propriétaire de nos locaux de Courcouronne, donc ce qui nous coûte aussi un peu. Donc on aimerait quand même avoir des locaux un peu plus gratuits à disposition. Les organismes les donnent aux associations. Donc on veut essayer de faire ce genre de démarche, histoire d'avoir des locaux gratuitement. Donc c'était principalement ça sur les emplois. Ensuite, on vous a fait un petit diagramme qui vous montre un peu l'évolution de nos recettes et de nos dépenses depuis 2014. Comme vous le voyez, en fait, en 2014, on était à 88 000 euros de dons. Aujourd'hui, en 2017, on est passé à 113. Et il y a eu vraiment un pic en 2016 à 128 000 euros parce qu'on a eu un remboursement essentiel, un remboursement exceptionnel des impôts qui s'est levé à 14 000 euros et qui nous a aidé, cette entrée exceptionnelle, inopinée, nous a aidé à financer en fait la première année scolaire, universitaire des étudiants. Elle nous a coûté, qui nous revenait assez cher, 21 000 euros. Donc comme le Seigneur fait toutes choses bonnes en son temps, ben, il a permis cette entrée en 2017. En 2016, pour nous aider à faire face à cette charge scolaire. Et donc en 2017, il n'y a pas eu d'entrée exceptionnelle, donc c'est pour à 12 cette petite baisse de 113, de 14 000 euros environ, et qui creuse un déficit sur l'année 2017. Donc quoi qu'il en soit, que toute la gloire revienne au Seigneur, c'est lui qui conduit son œuvre, c'est lui qui vous suscite, qui vous attire, et qui pourvoit aux besoins des enfants. Donc soyez bénis, que le Seigneur continue son travail. Je crois que là on va appeler les structures, c'est ça? Donc, ben, nous passons à la suite de notre programme. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on avait envie de renouveler donc cette expérience qu'on avait fait l'année dernière déjà, où on avait pu rentrer en contact directement avec nos structures. Et donc voilà. Donc, on va commencer par quel pays ? Par Madagascar. Je crois qu'il faut qu'on se dépêche d'ailleurs parce qu'elle nous a dit que là-bas il commençait à faire nuit. Donc, si on voulait les voir, il fallait que qu'on tarde pas trop. Donc là, c'est Liana qu'on est en train d'appeler, l'une des responsables de la structure de la Maison de la Grâce, où nous parrainons les enfants. Coucou tout le monde. Bah écoutez, est-ce que c'est possible de tourner l'écran pour montrer un peu la salle? Donc on va vous montrer les parrains, les donateurs et les marraines qui sont venus. Qui sont venus donc participer à cette journée et aussi vous voir aujourd'hui. D'accord. Est-ce que tu arrives à montrer un peu la salle? Je ne sais pas si vous voyez un peu, mais il y a un peu de monde quand même. Vous pouvez leur faire coucou? Ben on vous entend pas très bien. Donc tous les enfants sont là. Waouh. Merci Seigneur. Et on voulait vous remercier pour votre soutien, pour votre amour, pour les enfants. Et je ne sais pas si les parrains
veulent parler à leurs enfants, on veut demander quelque chose et on va traduire après. Ben, on a quelqu'un qui parraine ici un de nos enfants à Madagascar. Il y a Pascaline. On aimerait voir Pascaline. Pascaline. Où est Pascaline? Voilà Pascaline. Elle est là, Pascaline. Bonjour. Bonjour Pascaline, comment vas-tu? Elle va très bien. Elle dit. Ça va, merci. Je suis émue. Non. C'est l'émotion. Oui. quel âge as-tu maintenant? J'entends pas. C'est ma... Elle a un petit problème de tout. D'accord. Oui. D'accord. Elle a bientôt 7 ans. Elle a bientôt 7 ans. Okay. Et elle n'entend pas très bien. Elle a un problème de bruit. D'accord, très bien. Ben, du coup, ça nous fera un sujet de prière en plus. Voilà. OK. En tout cas, merci beaucoup. Hein. On voudrait parler à Joanne. OK. À bientôt, Joanne. Joanne. Bonjour, Joanne. Bonjour, Joanne. Le voilà, le Joanne. Enlève-toi. Bonjour. Bonjour. Joanne. Bonjour. Ça va, tu vas bien? Oh, bien. Tu vas bien? L'année dernière, on n'a pas pu vous avoir parce qu'il faisait déjà nuit. Moi, c'est Christelle. Hein. Il dit qu'il va très bien et il est content de vous voir. Christelle, bah, moi aussi, je suis contente. Comment va ta maman et tes frères et sœurs? Ils vont tous bien. D'accord. Et l'école, ça va? Ça va? Bah, accroche-toi à l'école, accroche-toi au Seigneur et continue. D'accord? Et je te fais un gros bisou. Et mes, les deux photos que tu m'as envoyées sont dans mon salon. D'accord? D'accord. Bon, je te fais un gros bisou et à la prochaine si Dieu le veut. D'accord? Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut parler à Mamie Tiana? Pardon? Est-ce qu'on peut parler à Mamie Tiana? Oui, allô. Mamie Tin. Bonjour. Bonjour. J'ai appris que tu es devenu spécialiste du bois, que tu nous as fait un super poulailler. Nous sommes très contents de la manière dont tu avances. En tout cas, ton parcours nous permet de pouvoir faire des projets avec d'autres adolescents qui veulent se spécialiser pour travailler dans plusieurs autres domaines. En tout cas, merci pour ce que nous bénissons Dieu par rapport à ce qu'il fait dans ta vie et par rapport à l'encouragement qu'il nous donne pour continuer les projets avec d'autres adolescents. Et là, il y a des mamans.
bien à mon défaut. Ça me chute bien à mon défaut. Ah, bien à mon défaut. Ça me chute bien à mon défaut. Autre des gardiens de face. Et à toi, pas de bon défaut. Là, c'est traduit. Il est mieux aussi, lui, hein? Alors, mon but, c'est de faire un. Donc, la semaine prochaine, c'est prévu qu'il va, il va fabriquer des nouveaux ponts pour le centre. On va lui acheter tous les matériels. Il va le faire pendant 3 jours. Et on va vous montrer ça. Amen. On va acheter encore plus de matériel s'il faut prendre tout l'argent de la structure pour acheter du matériel pour Mamie Tiana. Hein? En tout cas, que Dieu soit béni, soyez encouragés, soyez fortifiés. Merci en tout cas pour ce que le Seigneur fait là-bas. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, Tante Elie. Tante Elie. Tante Elie. Avant que tu raccroches, on a une bonne nouvelle pour vous. On a un membre ici parmi nos parrains et donateurs qui a quelque chose à vous dire. D'accord. Bonsoir à vous. Bonsoir. Juste pour vous dire que je souhaite faire un don pour le rachat des poules qui ont été volées. Merci beaucoup pour votre amour. Gloire à Dieu. Bon courage. Merci. Alors, juste pour information, les enfants, en fait, ne parlent pas tous français parce que c'est pas leur langue maternelle. Donc, ils parlent malgache. Oui. Et ils apprennent le français. Donc, c'est pour ça qu'il y a besoin d'une traduction parfois. Et on aimerait dire bien à tous les enfants qu'on pense très, très fort à eux. Tous nos parrains et donateurs sont pas présents aujourd'hui. Donc, tout le monde ne peut pas forcément parler à son parrain ou sa marraine. Mais en tout cas, ils pensent fort à vous. Et nous aussi, on pense très, très fort à vous. On vous fait de très, très gros bisous. et bien sûr on garde le contact et on se reverra. Gros bisous. À bientôt. Alors le Ghana, pour rappel, c'est la structure qui accueille des enfants qui sont actuellement tous atteints par le virus du VIH et qui tous sont nés avec cette maladie et dont les parents ne pouvaient pas s'occuper ou tout simplement, enfin, qui les ont donc déposés devant chez le couple Azuma, ou alors malheureusement dont les parents en fait sont tout simplement décédés des suites de la maladie. Donc voilà. Faut savoir que c'est des enfants aussi qui ont, au-delà de la stigmatisation, enfin de certaines difficultés qu'ils rencontrent, ils ont aussi un traitement alimentaire assez particulier parce qu'ils prennent des médicaments spécifiques à leur maladie qui en fait est là pour renforcer leur système immunitaire. Et donc c'est des enfants qui, on va dire, ont un bon coup de fourchette pour pouvoir assimiler en fait ce qu'ils prennent comme ce type de médicaments qu'ils prennent. Ils ont besoin de manger en quantité suffisante. Donc voilà, donc ce sont des enfants dont on aime prendre soin au pain quotidien. Et puis ils nous touchent beaucoup. On a déjà effectué 2 missions là-bas où à chaque fois les missionnaires nous ont rapporté à quel point ils étaient touchés en fait par l'amour qui se dégage dans cette structure et à quel point ils sont une vraie famille. Et donc ça nous fait vraiment plaisir à chaque fois à entendre. Il y a une vraie solidarité entre les enfants et ils se considèrent véritablement comme frères et sœurs. D'ailleurs, beaucoup d'entre eux portent le nom du couple qui les a recueillis parce que comme on les déposait bébés chez eux, sans savoir d'où ils venaient, pour qu'ils aient un état civil, le couple les a tout simplement adoptés. Donc voilà, donc beaucoup d'entre eux s'appellent Azuma.
merci à tous et à toutes de nous avoir suivis en direct sur TV de Vie. Donc voilà, et nous allons continuer ensemble. On arrive à avoir le Gabon, mais uniquement sur le téléphone, donc ça va être compliqué de faire participer TV de Vie à ça. On pourra le faire entre nous, mais donc voilà. Dans tout cas, merci beaucoup aussi à l'équipe de TV de Vie pour votre assistance et pour cet événement. Et à bientôt dans votre émission, donc Bâtir ensemble la vie des enfants. On était très contents de pouvoir participer ces moments, de pouvoir partager ces moments avec vous. Donc voilà, au revoir à tous.